Qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement là? On est en train de chercher un spot pour faire l'ouverture de la prochaine vidéo. Sauf qu'on est perdu! Perdu! C'est pas du tout là où on était la dernière fois. C'est pas grave, on va le faire ici. Regarde là. C'est nickel ici. Regardez, dites-moi ce que vous en pensez. D'accord. Il y a pire comme endroit, non? Salut à tous! Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh ben, un nouvel unboxing. Et justement, on est en train de s'y rendre là. Donc c'est un petit peu long, surtout qu'on s'est perdu trois fois. Merci à ma guide touristique. J'espère que vous allez bien. Moi, je pète le feu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait une nouvelle vidéo découverte d'un autre produit envoyé par Anbalsor, justement. Et surtout, surtout, à la fin de la vidéo, il y a un petit jeu concours pour vous faire gagner justement le produit en question. Donc restez bien jusqu'à la fin, c'est important si vous voulez participer. Et puis bien sûr, bonne vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Allez, à toutes! Vraiment, si ça s'éteint et qu'on filme pas, je pleure. Un bouton rouge. Est-ce qu'on voit mes claquettes? Donc faut que j'explique dès le début pourquoi j'ai des claquettes comme ça là. C'est une cata, une cata. Salut les amis, aujourd'hui encore une fois unboxing. Je vous ai déjà expliqué pourquoi vous devez rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a un petit jeu concours, alors restez bien jusqu'à la fin. N'oubliez pas surtout avant de commencer la vidéo, likez, vous abonner et puis surtout vous partager un max. C'est parti. Première boîte s'il vous plaît. Je suis foutu. C'est bon? Première boîte, s'il vous plaît. Oh, merci. Joli lancé, hein, la régie. Vous l'avez remarqué, c'est Mizuno aujourd'hui qui a l'honneur. Donc du coup, j'expliquerai pourquoi après Mizuno. Vous savez que Mizuno, c'est une marque qui est complètement émergente. Elle est en train d'exister de plus en plus dans le marché sportif notamment. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas une boîte. Il y en a deux. S'il vous plaît. Deuxième boîte, régie. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ok. Une pour moi. Une pour vous. Pourquoi j'en ai deux? Tout simplement parce qu'il y en a une qu'on va essayer, une qui est à la taille de mes pieds forcément, et une deuxième que je vous fais gagner. Je vous montre à la fin de la vidéo ce qu'il y a dedans, et il y a une petite surprise en prime. Ok, vous savez que je suis le meilleur acteur du monde pour jouer la surprise. Bien sûr, je les avais ouvertes juste avant. Elles sont juste magnifiques. Donc moi, je les ai choisies en blanc. Celles-ci sont pas de la même couleur. Pareil, je garde la surprise jusqu'à la fin. Vous connaissez la musique? Cette chaussure, on va l'analyser, la tester, l'essayer et en parler. Je vous laisse tout de suite avec un petit teaser bien sexy une nouvelle fois, vous connaissez. Cette Mizuno, elle a quelque chose de bien particulier. En fait, elle a été expertisée, si on peut dire, par Mikkel Hansen. Mikkel Hansen, je vous le présente plus, c'est lui. Cette chaussure, du coup, expertisée par Mikkel Hansen, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Elle est vendue pour être très très stable. Donc du coup, on l'essaiera juste après pour le voir. Elle a deux nouvelles technologies. Elle a ici même des espèces de plastique un peu rigide pour gérer l'amorti. Elle a cette nouvelle technologie d'amorti aussi à l'avant. On va vous parler de tout ça aussi dans la description. L'aspect esthétique de la chaussure, il est juste top. Moi j'adore personnellement, vraiment, elles sont magnifiques. Je vous montrerai les autres juste après. Sans plus attendre, on va les essayer tout de suite pour avoir un avis un peu plus précis. C'est parti.
Le test est fait, on va en parler juste après. J'ai oublié de vous préciser le modèle. Donc c'est nouvelle Mizuno, c'est les Stealth Neo. Si on analyse un peu plus près la chaussure, on a ici de la toile, vraiment très légère. Là, il n'y a aucun souci. On a une gomme qui recouvre l'intégralité du pied et qui remonte aussi sur les parties intérieures, qui remonte légèrement aussi sur les parties extérieures. On a un talon qui est bien surélevé également. Et contrairement à la vidéo précédente, je vous avoue que ça, c'est un nuage. Je me sens hyper bien dedans. Elles sont très confortables. Elles étaient vendues pour être très stables, je vous confirme. Là, pour la stabilité, il n'y a aucun problème. Je suis même surpris parce que c'est pas des chaussures montantes non plus. Et pourtant, elles sont très très stables. La composition des semelles, elle va permettre un appui très brusque, très rapide. Je pense que ça correspond aussi au style du joueur qu'il a créé, Mikkel Hansen. C'est une chaussure qui, pour moi, est plutôt adaptée sur un poste d'arrière de pivot. C'est une chaussure qui est plus lourde que les chaussures qu'on a vues dans la vidéo précédente. La composition de la semelle, elle, elle est très particulière. Elle me semble un petit peu technique. On a une technologie à l'avant, une technologie à l'arrière. Cette chaussure, elle est vendue aussi pour un retour d'énergie. Alors, j'entends par retour d'énergie, peut-être, le fait de mettre de la force par exemple dans l'impact au sol et pouvoir le récupérer dans l'extension, peut-être que la technologie qui est à l'avant et à l'arrière va permettre ceci. Ça, c'est quelque chose à essayer en gymnase, je vous le dis une nouvelle fois. Là, je suis en extérieur parce que les gymnases sont fermés. Ces chaussures, je les réessayerai en gymnase pour vous donner un avis un peu plus précis. Cette chaussure, je l'ai choisie en blanc. Je l'ai dit au début de la vidéo, elle existe en bleu, en noir, en blanc et en orange. Elles sont toutes au même prix, 150 €, donc c'est le prix de départ d'une bonne paire de chaussures. Je vous rappelle aussi que si vous voulez économiser 10% supplémentaire sur la boutique d'Handball Store, vous pouvez utiliser mon code promo. Je le mets de temps en temps dans mes stories Instagram et je vais aussi vous le mettre là, 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 là. Maintenant, le moment que vous attendez tous, votre surprise. S'il vous plaît, roulement de tambour. Tadam! Cette chaussure, elle est spéciale parce que vous avez remarqué, elle n'est pas que noire. Alors, il s'agit bien de la Mizuno Stealth Neo que je viens de vous présenter. Mais en plus de ça, si vous regardez bien ici, qu'est-ce que c'est? C'est un petit autographe de Mikkel Hansen en personne. Donc aujourd'hui, je ne vous fais pas seulement gagner des Mizuno Wave Stealth Neo, je vous fais aussi gagner un autographe de Mikkel Hansen. Donc il les a signés rien que pour vous. Donc du coup, je vais vous donner les modalités tout de suite. Premièrement, tu dois liker la vidéo, la partager, en parler autour de toi. Deuxièmement, il faut que tu likes absolument le compte Instagram de Handball Store et le compte Instagram de ma pomme. Je les affiche tous les deux ici. Et troisièmement, il faudra que tu identifies trois de tes potes dans les commentaires de la publication Instagram que tu verras, soit sur le compte d'Handball Store, soit sur le mien, comme tu veux. En tout cas, il faut que tu fasses tourner cette vidéo un max, ok? Les résultats de ce concours se feront fin du mois d'août. Donc, vous avez un max de temps pour participer, relancer les potes, envoyer des vidéos à tout le monde, ok? On vous donnera les résultats des concours dans les stories, Handball Store. Je le teaserai moi aussi dans ma story. De votre côté, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Facebook qui est juste ici, ma chaîne Instagram qui est juste ici. Et surtout, like, commente et partage un max la vidéo. Bonne chance à tous, passe une bonne journée ou une bonne soirée, comme pour moi. À plus.